C'est Jérôme Ba, connu à l'état civil sous le nom de Onzari Elenga Sénal Bertini. Salba, oui, c'est nous les kings, on est en ville, joue d'après on meurt. Que peur à cela dit, on dit que je suis le meilleur. Téméraire en tout lieu, je connais pas la peur. Véli, la plus ou tu reconnais le gang. La machine est lente, c'est bon, on est né pour briller, d'ailleurs ça tu le sais. Toujours prêt pour le salier, bah l'écoute, on a vu si t'es mécontent. La machine est lente, c'est bon. Ouais, le nom il est tiré d'une marque de voiture, Mitsubishi Pajero. Et c'est la toute première voiture que j'ai eu à conduire. On a visité mes cantons. Bah l'écoute, on a visité mes cantons. Je suis calibré, choque mes ennemis. Je suis calibré, choque mes ennemis. Calibré, choque mes ennemis. Je suis calibré. On fait partie de la vie, partie de la street. Celle des 149, je crois que c'est Salam à toute l'Afrique. À toute l'Afrique. On prend la nation, on verra son de toutes les patries. À toutes les patries. C'est en 2013 que j'ai débuté la musique. C'était sous l'influence, on peut dire, sur l'influence des grands du quartier qui ont eu à bien faire et m'ont un peu attiré vers ce monde-là, quoi. Non Marc, je vous épate, tu ne kiffes pas, bah c'est cool, je me reviens pas tous les matins pour t'impressionner. Plus je me déteste, plus je procrastine, que quand je suis le premier, quand je suis à ma... Premièrement, c'est une passion et l'influence des grands artistes comme Matt Gims. Il a depuis tout petit m'influencé. C'était du sapé comme jamais, comme voilà, et souvenir aux besoins de la famille surtout, avant de faire ma maman. Je suis un bad boy depuis longtemps, mais ça. Premier titre officiel solo, c'est Beauté Léma. Bon, le titre déjà, c'est une histoire en fait qui est cachée derrière. Et c'est un frère sans moi. Il avait merdé en fait. Et lui-même de base, tu vois, la chanson, elle parle d'un mauvais élève qui n'étudiait pas ses leçons et qui a échoué. En fait, il m'a fait un sale coup. Et le son, en fait, le morceau a été dédié pour lui, quoi. En fait, c'est ça un peu. Et j'ai eu. Les petits sont venus vers moi, ils m'ont demandé un featuring. Après, une bonne causerie, et voilà quoi. Le son a été fait en une heure. Chaque matin, je vais à l'école, ma toilette est faite, Jack Daniel dans le keuf. Les mauvais élèves, toujours avec drama, moi avec ma dope, je ne les calcule pas. Moi on a échoué, échoué, moi on a échoué, échoué, moi on a échoué, échoué, moi on a échoué. Téléma, en français déjà c'est levez-vous. C'est une façon de dire, de parler en fait un message à toute l'Afrique pour dire qu'on est fort, fier d'être africain et on a le sang chaud, on va toujours se battre. Je suis plus rappeur que chanteur, mais je fais les deux.
les deux ça va mieux quoi. Et donc si je compte vous faire bouger avec un dégammage façon, c'est le piment. Apprêtez-vous pour ça, on va pas trop parler mais préparez-vous à écouter. La Côte d'Ivoire, on peut dire, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest où la culture en fait, africaine et musicale, en fait, musicalement parlant, c'est solide, c'est quelque chose en fait. Si tu viens, tu as plus de chances de réussir. Et voilà, quoi, il y a beaucoup de talent. Voilà, très bonne culture et très beau pays, quoi. Ah, connais pas de qui je te parle, mon Lingala. Beauté, comment ça va? Connu comme Thierry de Voyage, mon gars-là. Je ne compte pas sur les leurs, mais ni plus, je fais mes pas. J'ai pas encore tout donné. Si je me lâche, les carrières, elles vont cesser. Eh, je suis un moana, ma bé. Des mâchoires du sel et tous ceux qui suivent dans le game sont mes cadets. Everyday, je plan. Je suis dans le monde, je fracasse encore. Donc, on dit que je suis trop bad. Mais je veux pas avoir les ken. Get à te tech, font les aînés. En me voyant gravir les échelons. Tu dors, t'as tort, on ne craint pas la mort. Chez nous, on fait bouger la zone. Donc, ça te cherche, fais des va-et-vient. Je tire à balle réelle, la vie c'est un puzzle, trou d'air, une fraction de seconde ça te plop, si t'es chaud, bah viens on se pétasse sur une instru. Et ça aille. Avec mon mentor, je peux dire, c'est Maître Gims. C'est lui qui me fait rêver, j'ai toujours rêvé de faire un featuring avec lui. Et j'espère vraiment que dans les années à venir, on pourra collaborer ensemble. Ya yeah, Miguano, c'est ton petit frère congolais, Jéropa, tellement fan de toi depuis l'enfance que j'ai eu à participer à ta masterclass de plus de 1000 personnes dirigées depuis Paris. Et j'ai été parmi les 15 artistes sélectionnés de la masterclass. J'avais promis de faire un truc avec les artistes sélectionnés, mais hélas, le destin a choisi autrement. Mais moi j'y crois toujours et je continue d'y croire. Ouais, pour 2022, j'ai prévu une mixtape de 7 titres. C'est Monsieur Scorpion. Attendez d'écouter les titres. Un grand merci à tous mes fans, tous ceux qui me soutiennent de proche et de loin. Je vous l'offre comme ça. Et continuez toujours de croire en moi. Je continuerai toujours à vous fournir de la bonne. On ensemble, ça pique comme un scorpion. Voilà, c'était Jéropa dans Quiz Interview sur Trap Ivoire. Restez connectés, j'espère que vous avez aimé. On ensemble, les gars, pique comme un scorpion. La guérilla, et si on est des guerriers, c'est pour faire la diff, alors je chante. Pour toute l'Afrique et la nation, alors je chante. Alors je chante. Alors je chante. Les combattants, la sous-guerrie, ma qu'elle est pas.